Eh bien, salut tout le monde, c'est Zachary, et bienvenue sur Assassin's Creed, et bienvenue, ouais, j'allais répéter la même chose une deuxième fois, mais nous sommes enfin de retour sur ce jeu-là pour l'épisode 2. Alors, la dernière fois, on s'avait laissé exactement ici, quand j'ai arrêté la vidéo, le début de la prochaine vidéo, je recommence ce jeu, où c'est que je me suis laissé, parce que, ouais, c'est ça qui est ça. Donc, la dernière fois, on s'avait laissé ici, c'est ça que j'ai dit, donc, faut aller en haut, à deuxième étage, donc, let's do it, on va y aller. Et ouais, c'est ça qui est ça, donc let's do it, on va aller à cette porte là, et c'est parti, il faut faire B, et c'est parti. Et si on recommençait? Il suffit de demander. Je ne voudrais pas te priver de ton libre arbitre. Qu'est-ce que c'est? Probablement quelques hommes qui s'entraînent. Vite! Je dois trouver Mario et rassembler nos troupes. Mes hommes sont dans la cour. Je vais les faire sortir et prendre l'ennemi à revers. Sois prudente. Ce sont les Borgias. Et nous n'avons rien vu fuir. Ils ont dû se rassembler à l'est pendant la nuit. Il faut les retenir le temps que les habitants évacuent. On peut compter sur moi. Utilise les canons au haut des remparts. J'en profiterai pour mener une attaque frontale. Et la prise, la bombe est en sécurité. Il faut empêcher les bandits de pénétrer ces murs tant que les habitants n'auront pas évacué. Insieme et faire la victoire. Insieme. Allez, sois prudent. Toi aussi. Ok, c'est parti donc. Comme si vous l'avez déjà deviné, le son, j'ai monté le son de 1. Alors ouais, je crois que c'est beaucoup trop fort, hein. Fait que vous avez l'impression de moins attendre tout à l'heure. Je crois qu'on va le baisser, hein. Ah non, non, whatever. Non, baissera pas. Oh, par exemple, c'est super fort, hein, pour vrai. Mais bon, le seul truc qui compte, c'est que le cheval est mort. Ok, vous savez quoi? Non, là, j'ai trop abusé. Ok, c'est... Non, j'ai trop abusé pour le volume. Oh là, j'ai... Fait que... Mon but, c'est d'essayer de le mettre, le volume, pour essayer de l'entendre bien, mais en fait, compte.
C'est des guidoux, on est comme ça. Je crois qu'on va laisser le volume à 10, ok. Non, j'ai trop abusé pour le volume, ok. Non. Ouais, ah, c'est... Sinon, je vais devenir sourd et ce n'est pas bon pour la santé, ça. Oh, c'est... Voilà, c'est encore fort, c'est pas croyable, là. Oh. Ok. Fuck le sang. On va le laisser comme ça. Oh, faut détruire les petits canons. J'espère que vous m'entendez super bien avec le volume du sang, hein. Ouais, je crois que vous m'entendez super bien quand même. Ouais, en tout cas, donc, il faut détruire beaucoup de canons. C'est Tigidou, donc. Il y a encore plein de petits canons à détruire. Et ouais, c'est Tigidou. Oh, oh my god. Des petits canons aussi que j'ai oublié de détruire. Ha ha! On les a eu, hein. Non, attendez, il y a les trois petits canons là, on va tenter de les avoir one shot et de cette façon. On les a eu, donc, il y en a plus ici. On va tourner, c'est un petit peu long hein, quand il met une balle dedans là, mais c'est Tigidou. Attends, il y en a d'autres ici. De cette façon. Ok, je crois qu'on en a eu 3, ah, c'est bon. On en a eu, non. En fait, j'ai pas eu ce canon. Bon petit tabarnak. J'ai fort un canon. What the? Bon petit tabarnak qui ont pété un canon. On en a plus qu'un autre vie, donc j'espère qu'on va l'avoir, que là, ça c'est notre dernière chance. Oh, c'est tellement difficile, oui. Dans des minutes, j'ai oublié un petit canon. Oh, au moins, je vis plus bien, moi, hein. Au moins, je ne pouvais pas comme les autres qui vivent super mal là, à mon épisode 1 l'autre, là. C'est qu'est-ce qui m'arrange. Bro, c'est déjà rendu 6 minutes de vidéo. C'est déjà rendu 6 minutes de vidéo. Je vous dirais, j'ai carrément rien, même pas avancé, vous dirais, mais... C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? À moins que l'épisode dure peut-être longtemps, hein. On sait jamais, hein. Ouais, je crois que l'épisode va se perdre longtemps, que moi, je veux progresser. Je veux m'avancer beaucoup. Parce que là, j'ai comme carrément rien fait, c'est pas croyable, mais bon. C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Là, je sais que j'ai oublié deux petits points rouges, mais quand on les a oubliés pas contre le choix. Oh, j'ai tellement parlé que j'ai oublié les cinématiques. Je sais pas si ça avait des montres palais tantôt là, mais... En tout cas, c'est l'heure de se battre. Let's do it. On va aller se battre. Et on va sauter ici. Et on va aller les battre. On va tous les battre. Les petits bonhommes là, on va... Oh, ok, ces bonhommes là, sur le nouveau, faut qu'on donne un coup de pied dans les couilles, comme de cette façon. Et comme ça, ça va, on pourra le tuer. Donc, il faut donner un petit coup de pied dans les couilles. Et bon, lui, il va mourir. Donc, si je fais ça, comme ça. Tabarnak, ce petit bonhomme là. On va tous mourir en enfer. Lui là, on va donner un coup de pied dans les couilles. Ok, je crois qu'il est mort, hein. Ok, oui, good. Oh là, c'est presque mort, c'est pas bon pour la santé, ça. Et voilà. Ah, dans l'autre épisode, l'avance, je me suis pas battu super beaucoup, mais. Écoutez, c'est pas ma faute. Là, il y a beaucoup d'ennemis ici. Comme ça. C'est pas encore terminé. Il y en a encore d'autres. Voilà, on va tous les éliminer de cette façon. On est tellement un pro. Ok, les autres tous sont nouveaux. Pourquoi les autres tout. En gros, tous les nouveaux qu'on donne les couper les couilles à part les premiers, je crois, hein. Les premiers, ils connaissent débloqués. Oh, attends. Son what the? Son pote se ramène. Ce n'est pas bien ça, hein. Voilà, ok, on l'a tué. Nice. Ils sont bons, ça va. Je sais que tu es là, Ezio. Le pape m'a longuement parlé de toi, de ton petit groupe d'assassins. Et de ceci. Apporte-moi l'arme que son ami a conçue. Cette tuerie n'a que trop duré. Je crois qu'il est grand temps d'y mettre un terme. Alors considère ceci comme une aimable invitation de ma famille. Adieu. Okay.
on est mort? Ben non, on est là, ça, mais c'est, c'est quoi ça, mort? Mais je crois que... pour Mario, c'est la fin pour lui. Ouais, je crois qu'on ne verra plus jamais Mario. Pas ma faute. Basta. Je peux marcher. Attention! Ils arrivent! Tous avec moi! Repliez-vous vers la villa! Non, je n'y arriverai pas. Tous avec moi! C'est l'heure de se battre encore, donc let's do it! Puis pour tous ceux qu'on a vu tantôt, c'est les méchants du jeu, alors on va... Non, c'est peut-être pas le petit bonhomme que je l'ai tué avec Samuel et moi, lui. Ouais, tous les méchants qu'on a vu, c'est tous les méchants qui ont tué Mario, ouais. Non ouais, pour la fin, Mario, ben on la reverra plus jamais tôt. What the... Oh, on est tellement un bon Willy. Je sais, pour l'instant, on fait pas beaucoup d'escalade parce que... Mais un jour, on va faire beaucoup d'escalade parce que là, c'était... What the... Ah, c'est moi qui l'ai tué, what? J'étais super loin de ce petit ennemi, c'est moi qui l'ai tué, hein. Je suis devant un dieu, c'est pas croyable. Oh là là, y'a... Yeah, oh, wow. Ah, il a tué la sorte des dieux, ce mec, hein. Oh, il a craqué le dos, hein. Oh, je sais, c'est petit bonhomme, moi, voyons donc. Oh. Toi aussi, meurs, frérot, ouais, que je ferme ma gueule avec mon frérot, hein. Ah, vous savez quoi, on va donner un petit peu sa soeur, parce que... Mais ma soeur, parce que... La soeur de bonhomme qu'on contrôle, bien évidemment. Oh, j'aimerais pas ça dans sa place, là. Ça doit avoir fait mal. Oh. Attendez. Oh là là. Oh, il y a toujours plein de moyens de tuer tous les ennemis. Oh, 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 oh. Ah, non, frérot, je vais pas te tuer, hein. Il n'aurait pas dû s'en rendre à nous. Je vais pas tuer nos frères, dis donc. Ce n'est pas bien, ça, tuer nos frères. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, la soeur est déjà là, what the hell. Allez, oh, lâche tout le monde, les pépitos. Oh, il a tellement sauté, c'est pas croyable. Dans son dos, ouais, je crois qu'il est mort. En tout cas, les pépitos, c'est pas besoin des autres ennemis, moi, là, j'ai juste... Bah, avancez, parce qu'il y a un petit ennemi juste là. Et un autre ici. Ah, là, là. Ah, notre soeur, elle est déjà rendue. Nice, you. Je vais les retenir. Non, attends-nous. Nous vous croyons morts, Serezio. Pas encore. Où conduit ce passage? Au nord, de l'autre côté des murs. J'avoue que je suis surpris. J'y vais, je dois aider les troupes. Plus vite, Ezio! Et notre mère, elle va bien? Je suis là, Ezio. Grazie a Dio. Nous ne pouvions pas partir sans toi. Nous courons un grave danger. Prends soin de mère. Où est Mario? N'était-il pas censé nous attendre? Les troupes de Borgia ont cerné la ville! Mario est mort. Vous devez partir d'ici. Conduis mère à Florence. Amenez-moi un cheval! Tu ne viens pas avec nous? Mais où iras-tu? À Rome. Va, mon fils. Élimine-les tous. Mais surtout, n'oublie jamais pour qui nous nous battons. Exactement. Mario est mort. On va avancer la mort de Mario. Ne vous en faites pas. Je crois que notre bonhomme est super blessé en ce moment. Oh, il a reçu une balle, hein, parce que là... Ouais. Oh. Oh mon dieu, what the hell, bro? What the hell, brothers? Lucie, j'arrive toujours pas à localiser la PDE d'Ezio. PDE? Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Désolé, Desmond, la pomme d'Éden. Au Vatican, Minerve a dit qu'il fallait trouver les autres temples. C'est la seule et unique manière d'empêcher qu'une catastrophe ne frappe notre planète. C'est ça.
que l'on va devoir mettre la main sur la pomme d'Éden qu'Ezio a trouvée. Je crois que le fragment s'est altéré au contact de Minerve. Attends, c'est la Villa Auditore? Eh ouais, c'est notre seule planque en Italie. Les Templiers continuent de surveiller les frontières. Ezio a caché la pomme d'Éden aux alentours de 1507. Mais quand j'essaie d'accéder à cette séquence ADN, on dirait qu'il se souvient d'autre chose. Un souvenir prisonnier d'un souvenir? Oui, c'est ça. Peut-être. Faudrait te défiler. Tu avais déjà rencontré ce genre de problème chez Abstergo, non? Chez le sujet 15, un phénomène plus ou moins semblable s'est manifesté, mais elle était enceinte. Les souvenirs du père du fœtus entraient en conflit avec ceux de la mère. Desmond n'est pas enceinte. Non. Non, je crois que ça se saurait. Il s'est juste goinfré. Tu peux accéder à une séquence ultérieure? Non, c'est impossible. Ça me rappelle quelque chose. Les dernières mémoires d'Altaïr restaient inaccessibles si Desmond n'améliorait pas sa synchronisation. On a peut-être affaire à un problème similaire. L'agitation d'Ezio doit se répercuter sur Desmond et déstabiliser sa mémoire. À moins que Rebecca soit vraiment incompétente. Toi, ta gueule. Quoi? Eh bien, je cherche une explication, c'est tout. Et celle-ci me paraît la plus plausible. Malpoli. Cet endroit n'est pas sûr. Les murs ne les empêcheront pas de détecter nos portables. Avec des satellites de surveillance? Mais tu déconnes. Ça fait un bail qu'Abstergo se sert des antennes relais. Les ondes balayent tout au niveau du sol. C'est sûr, ils vont nous retrouver. Ça m'étonnerait. Allez, venez. Une poutre bloque le passage de l'autre côté. Non, on ne peut pas passer par là. Alors, on fait quoi? Il me semble que l'autoroute n'est pas très loin. Non, on ne peut pas rester là, ce serait trop risqué. Est-ce qu'on a des bâches? Il faudrait cacher le camion. Sans vouloir être alarmiste, on n'a pas vraiment le temps de discuter. Ben dans ce cas, t'as qu'à nous aider, Sean. T'as bien une idée, non? Je ne sais pas. Et si on cherchait un autre moyen d'entrer? Hé, je crois que j'ai trouvé. Oh, on rencontre un nouveau bonhomme. Ah oui, c'est vrai, il y a deux bonhommes à construire Assassin's Creed, mais bon, en tout cas, on va construire un nouveau bonhomme. Alors, c'est parti, on va suivre les fantômes. What the fuck, a disparu? Ah ben non, il n'y a pas disparu du tout. Suis-moi. Wow. 20 bottes de foin. Joli, very good, good. Desmond, c'était vraiment super. C'est venu tout seul. On peut entrer par là. Bien joué. Et puis nous, on va vous attendre ici, c'est ça, on va rester tout seul, prêt à se faire canarder à la première occasion. En tout cas... Oh, waouh. Ah, il fait noir. Pourquoi ça s'allume pas? Ça fait du bien de se détendre. Et t'emballe pas trop, on n'est pas là pour s'amuser. Je crois rêver. Lucie qui me parle de s'amuser. Quoi? Desmond? Je sais rigoler, moi aussi. C'est très convaincant. Ouais, on y croit. D'accord, d'accord. Quand on aura sauvé le monde, je te le prouverai. Tu veux me mettre ça par écrit? Il y a de la lumière. Ah, what? Attends, là, j'ai totalement rien compris. C'est pas par là-bas qu'on est arrivé? What? Attends, là, je sais même pas où c'est qu'on est arrivé, mais bon. En tout cas... Il y a tellement des fantômes ici, waouh! Sortez avant que les soldats ne vous attrapent! Correte! Allez! Ils se sont enfuis par là. Qui? Ezio et les villageois. Après l'attaque, je peux les voir. Je sais que c'est difficile, mais essaie de cloisonner ton esprit. Reste bien concentré. Et si mes visions ne cessent pas? Bientôt, je vais me mettre à peindre les symboles sur les murs. Plaisante pas avec ça. 16 est mort. On se concentre sur le présent, d'accord? Coincé, génial. Je vais passer en dessous. Prêt! On pourrait pas soulever cette grille? J'ai envie de profiter de la vie encore un peu. J'ai plus qu'à faire le tour.
Ok, les poteaux, c'est l'heure de commencer à grimper. Alors, ouais, avec ce bonhomme-là, on va quand même beaucoup grimper. Mais avec Eddie, on va encore plus grimper que lui, là. On contrôlera vraiment pas beaucoup. Je veux dire, on contrôlera vraiment pas beaucoup. Ouais, c'est Tiggy-Doo, donc voilà. Et où est-ce? Ok, c'est bon, elle est là. Encore des fantômes. Reste avec moi. Tu n'as pas été blessé? Non. Est-ce que Mère va bien? Desmond, on peut pas l'escalader. Et si tu me faisais la courte échelle? Ça marchera pas. Je pourrais te propulser en l'air pour que tu agrippes la corniche. N'importe quoi. Suis-moi. Accroche-toi. Qu'est-ce que tu... Bien joué. À ton service. Ok, voilà. On va tenter de... Regarde, pas tomber. Heureusement. 4 pros. Vu le temps que j'ai passé dans l'animus, ça risque de poser problème. Je voulais pas te le dire, mais t'as vraiment pris du poids. Aïe. Rebecca a dû renforcer la structure de l'animus. T'es sérieuse? Non. Tu es prête? Ouais. Oh, c'est quand même beau ici pour être honnête, ouais. La dernière fois que je suis venue... Non, Ezio est beau. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Pas du tout. Hey, sérieusement, je ne me suis jamais autant éclaté. Et tout ça grâce à toi. Concentre-toi sur ce qu'on a à faire, d'accord? Et alors, il est forcément pour moi? Si je m'occupais de tous les leviers, t'aurais plus rien à faire. Plus rien? Rien essayé. T'es prête? Il y a un levier! J'en étais sûr que ça allait être porté qu'elle allait ouvrir. Ha ha! En fait, c'est chaud sur rien qu'on peut prendre. Si je suis nu, c'est pas croyable. Sinon, où tu veux qu'on passe? Mais bon, dans vraie vie, je suis jamais capable de faire ça, hein? Super. Ah, bon, on va frotter le piton au piscine lundi. C'est bon, je m'en charge. Ok, on fait vraiment nous ninja dans ce jeu là, mais c'est qu'est-ce qui est super cool. What the... J'adore faire mon ninja dans ce jeu. Vous ne savez pas à quel point. Arrête de geindre. J'aimerais bien t'y voir. Des déchets toxiques datant du Moyen-Âge. Je pue, c'est atroce. N'en rajoute pas. Oh, wa-da-da-da-da, beau. Oh là, vraiment, dans la vraie vie, je serais... Dans la vraie vie, je serais... Jamais capable de faire ça, hein? Je crois en gros qu'il n'y a personne qui va le faire ça, hein? Ouais. Mais c'est quand même un jeu, hein? Ouais. C'est ça qui est ça. Mais bon, nous autres, elle fuck la fille, elle n'a même pas qu'à rien faire. Toujours obligé d'ouvrir le passage pour elle. Ah non, je j'ai pas ça que je vais faire, voyons donc. Alors, continuez notre chemin. Je te tiens. Merci. Hey, Joe! Nous sommes de l'autre côté, vite! Waouh, je crois que c'est juste nous qui on voit les fantômes, hein. Wow. Ok, le pas lâché. Génial, le pont est foutu. On ne peut pas sauter. J'ai une idée. Tu vas m'aider. Reste près du bord et tiens-toi prêt. Prêt. C'est bon. Voyons ça. T'as qu'à continuer. Moi, je vais mourir ici.
ici avec les chauves-souris dans le noir. Allez, saute! Bien joué. Les chauves-souris seront déçus. Tant pis. Oui, mais vous allez me tromper de chemin, c'est juste par là-bas pour les passer. J'ai trouvé une entrée. Tigduto, amigo. On doit bien tout sortir de cet endroit, hein. Ouais. En tout cas, c'est l'heure de crêpes encore. Les papitos. Ah, moi, le début à l'avant, on n'a pas vraiment grimpé beaucoup, mais... Là, on grimpe un petit peu, c'est good qui good. C'était pour voir si tu suivais. Très drôle. Tu sais, quand j'ai parlé en tant qu'aux autres, là, je sais pas des fois quand ça parle et quand ça parle pas. Hein. C'est bon. Merci, Desmond. Par contre, crève encore plus haut. Voilà, toi. Cette fois, je vais pouvoir rattraper mon retard. C'est un début. Allez, à toi de jouer. Super Ukoyala, what the... Ah, c'est ça. Vous n'êtes pas sérieux. Ah la what? No way. Attends, j'ai vraiment tombé en bas là. Attends, il y a une place pour monter ici, hein. Oh là là, la vache. Regardez où c'est que j'ai tombé. J'ai tout tombé avant, ça va pas exprès. Oh my goodness. Mais bon, les erreurs, ça n'en fait dans la vie des erreurs, hein. On va en tout cas en revenir ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des échelles. On va tenter de prendre les échelles. Non, non, non. Attends, attends, attends. Et voilà, qui c'est juste. C'est juste si tantôt j'ai tombé tout en bas, ça va pas exprès. Je vais pas tomber en bas. Ah, oh, que c'est goutte qui goutte. Voilà, faut remonter. C'est que doux. Voilà, là. Je sais tellement pas si vous voyez là, mais... Ah non, en fait, si vous voyez, c'est juste pas là-bas. Qu'est-ce que je suis en train de raconter là? Voyons donc, tu sais, là, c'est bien bizarre. En tout cas, on va te rendre en haut. J'adore bien faire mon ninja, j'arrête pas de dire là, mais bon. Ok, elle apprend un petit raccourci parce que là elle est pas capable de faire comme nous. Alors bon, apprend un petit raccourci. On fait une belle équipe. Ok. Viens, Desmond. C'est bon, je vois la crypte. Ah ben, on retourne dans le noir. Mais je crois qu'on est rendu à destination, hein. Ouais, c'était long, mais on est quand même rendu. Allons ouvrir la porte pour que les deux autres personnes qui sont avec nous, puissent passer. Alors, let's do it. La papito. Vas-y, tantôt on était juste en bas de la porte, là. On est arrivé à traverser la porte. Là, c'est pas ça, on va faire what? Ok, la besoin d'aigle. Je vois quelque chose. Desmond, tu vas l'ouvrir, cette foutue bibliothèque? Vous avez réussi. Mon
mon Dieu! Eh bien, il était temps. C'est quoi? Un petit souvenir du passage d'Ezio. Il y a des chiffres en dessous. 1419, 1420 et 1421. Faudrait peut-être que tu te reposes un peu. Non, c'est bon, ça va. Waouh, cet endroit a vraiment été construit pour durer. Il n'y a même pas une seule fissure et on capte aucun réseau. On sera en sécurité, on peut installer l'animus ici. Ok, tout est en place. Sean, cache le camion en ville. Assure-toi que personne ne te suit. Mais, c'est quoi cette puanteur? C'est mes vêtements. Attends, t'as piqué une tête dans les égouts ou quoi? Qu'a demandé à Lucie? Attendez les gars, y a pas de courant ici. Je pourrais me raccorder à la ligne qui passe à côté, mais la tension est trop basse. Mais oui, bien sûr, et ce sera tout, un petit peu de caviar tant qu'on y est. Oh, je peux aussi vous tricoter une écharpe si vous préférez. Non? Bien, suis-moi. Et il faut suivre Sean, alors on va le suivre. Petit guidou. Alors, faut remonter tout en haut. On court pas si vite que ça dans ce bâtiment. Ben peut-être avec ce bonhomme là qu'on court pas si vite que ça, mais bon. What the... Ah ok, voilà. Bien, localise les boîtiers de raccordement dans Monteriggioni. On va se servir des gadgets de Rebecca pour rediriger le courant électrique et alimenter la ligne qui passe sous la villa. Ne me pose pas de questions, je ne suis que le crétin chargé de cacher le camion. Ah, faudra faire ça au dérabin, un tout petit peu. Alors, voilà. On a mis de l'électricité. Donc, il n'a pas comment déjà... qui est 1 sur 4, donc il n'a faut en faire 4. Et pour les trouver, il faut avoir la vision d'aigle qui s'attitue ceci. Comme ça, on pourra les trouver, alors... On va tenter de les trouver, j'espère que ça va pas être super dur. Mais on va tenter de les trouver quand même. Je me sens qu'il y en a un qui est près d'ici, hein. Ah ouais, c'est exactement, il est juste là. Voilà, on en a notre deuxième. Qui s'attitue juste là. Oh, non mais hein. Et il y a de l'électricité dans celle-là et tout. Ah, on va remettre la vision d'aigle. Comme ça, on pourra les trouver plus facilement. Bon, en fait, on va tous avoir ça pour les trouver. Non, il n'y en a pas ici. Non. Oh, attends, j'ai cru en avoir un. Et voilà, il y en a qui était juste là. Nice shooto. Encore de l'électricité. Il en reste encore dernier. Donc, 3 sur 4. La vision d'aigle, bien évidemment. Oh, en plus, il était sur à côté, par ça, j'ai mis la vision d'aigle, hein. Ok, il y a de l'électricité. 4 sur 4. N'est-ce pas very good? Non. Ok, au moins, ça me rend destination tout seul, toi. Je suis là. Juste à temps. Le jour se lève. Le système a booté. Yes, on peut y aller. Je vous ai manqué? Non, personne? Eh oh, je vous parle, hein? Allô? Elle ne m'écoute pas. Bien, on peut y aller. D'accord. Je vais juste finir avec ce bonhomme-là, puis à ça, quand on est bientôt fini, puis à ça, je vais m'arrêter là, ça. Je vais quand même avancer beaucoup cette fois-là, hein. Ouais, quand même beaucoup, parce que... Tantôt, je croyais pas dans... Tu as dû remarquer dans le camion, j'ai fait quelques modifications en tout cas. Et j'ai implémenté un nouveau programme d'entraînement virtuel. Ici, tu vas pouvoir frimer avec toutes les aptitudes héritées de tes ancêtres. Attends, je vais lancer une mission. Oh, on contrôle Ezio. Ah, c'est l'heure de se battre en 3, 2, 1. Donc, on a 44 secondes, donc
Il faut pas mourir pendant les 44 secondes, donc on va tous les battre de cette façon. Parce qu'ils sont tellement nuls. Voilà, on va les battre de cette façon. Alors let's do it, bro. Total ennemi, tu es 4. Ah, ok. On va nous... Oh, oh, attends, attends, ce mec là, c'est de vraiment souffrant quand il est mort. Ah. Oh, ok, je savais même pas qu'on avait un gun là, pas honnête là, mais... Alors faites tout seul, qu'est-ce que vous voulez savoir, hein? Ah, voilà. Ah là là, ça va même pas naturel, voyons donc. Ok, c'est good, c'est good. Lui, il est mort. Allez, ah, oh, oh. Oh, oh, il savait même pas qu'est-ce qui se passait, ce mec là, mais... On a réussi notre mission, t'es. Tu peux accéder à d'autres missions à partir du bureau de l'Animus. Plus tu réussiras les entraînements, plus j'ajouterai de nouveaux défis. Pour empêcher ton subconscient de refouler les derniers souvenirs d'Ezio, tu vas devoir les revivre dans l'ordre où son génome les a enregistrés. Sélectionne la deuxième séquence, Desmond. Bien, maintenant ouvre-la pour voir tous les souvenirs qu'elle contient. Dès que tu as débloqué une mémoire, tu peux la revivre autant de fois que tu le souhaites en passant par ce menu. Et s'il y a des souvenirs que je préfère oublier? Desmond, je suis très sérieuse. Si tu dois faire une pause, déconnecte-toi de l'Animus. Tu peux sortir de la machine quand tu veux. Je suis en pleine forme, t'inquiète pas. Ah, un dernier truc. Plus tu revivras les actions de ton ancêtre, plus ta synchronisation à sa vie sera poussée. Et plus tu auras de chances d'accéder à ses souvenirs refoulés. Ok, on est parti. Lance la première mémoire. Desmond, en étudiant les codes à 5 chiffres récupérés à la fin des fichiers du sujet 16, j'ai remarqué une coïncidence troublante. Les codes correspondent très exactement à des coordonnées à l'intérieur de l'Animus. J'ai marqué l'emplacement des monuments qui se trouvent à ces coordonnées en utilisant des icônes en forme d'œil. Je doute que tu trouves quoi que ce soit sur place, mais on ne sait jamais. Calmez-vous. La douleur va passer. Mais où suis-je? Chez moi, Messere. Un homme vous a amené ici. A-t-il dit quelque chose? En effet. Vous devez retrouver un certain Messer Machiavelli devant l'entrée du mausolée d'Auguste. Laissez-moi vous aider. C'est l'homme qui m'a amené ici qui a laissé ses vêtements? Oui, Messere. Wow, janvier, ok, là, Rome, janvier, wow, belle vue. Ou plutôt ce qu'il en reste maintenant que les Borgia sont au pouvoir. Où est le mausolée? Malheureusement, on ne peut pas le voir d'ici. On ne le verrait pas mieux du haut de cette église? Si, mais il est interdit d'y monter. Ça ne sera pas un problème. Je te remercie sincèrement pour tout ce que tu as fait pour moi, bonne donna. Adieu. Ok, je crois qu'on va se laisser ici, juste sa sauvegarde. Donc, on va accepter la mission. Ok, oui, sa sauvegarde. Trouver un médecin, mais le médecin il est à côté de moi. Mais je crois qu'on va s'arrêter ici tôt. Alors les boys, je crois qu'on va s'arrêter ici. Alors on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur Assassin's Creed. Alors, bye.